suffisante face à la demande des jeunes diplômés et des jeunes ruraux en quête de formation et d'équipement pour développer leur activité. Le PAGERCO que nous mettons en œuvre en partenariat avec Enabel vise à renforcer l'employabilité des jeunes dans le secteur rural à travers l'entrepreneuriat agropastoral dans les cercles de Nara, Banamba, Kolokani, Djoila, avec comme développement la chaîne de valeur de la filière bétail. C'est difficile de voir avec les jeunes ruraux qu'un jeune fasse le déplacement, venir vers le renseignement dans les secteurs, que ce soit public ou privé. Donc il faut vraiment aller vers ces jeunes-là, aller avec les informations nécessaires, inciter les jeunes à s'investir dans le domaine de l'élevage. On a bougé à Sarafé, pour le mot de Nana, on a coupé la démeque. Il faut bien. Oui, moi, n'y a pas de choses. Il faut comme moi, couper papier au dos. Hein, n'y a pas papier au dos. Ne que c'est que Allah ne garde que quand on ouvre le projet sera fait. Oui, on ouvre les kata qui le corrompt. Je dois caler, on a calé donc follow. On commence à bouger à matériel et les cas. Matériel du moyen, au BC, bascule, mouru, un tabali. Quand la calant que baran yere ni be duala han ateta saniako e famia nan boro fanana anyo barake baran kenya srafe ambe mo chama barake ni papier chima baran we kangar da ko ko chima bara papier amay habla femundu segebe chimana ango yuko te yan kala no oy ka boy an kumana buya bujere ni biga ban faka ikana bada kika sugo fere na suru ini vitinere ma nyoyala sabla ni sugota kata na ji ka fere sugula ini vitinere ma nyoyan o nyanga ta be se iire doma odu o chaka jugu anyima mi ni te nyanga sugo sugo fere akira abataro akira yoro dola arizansi na na ni bara ibe vitinere wole vitinere kana la je ka sara diuma ibe baraka no sara il est important d'inciter les jeunes à aller vers la modernisation de ce secteur en changeant de comportement, notamment dans la manière de transporter les aliments, de les conserver eux-mêmes, de les vendre. Ces attitudes ne peuvent qu'être bénéfiques à la population vu l'état actuel de la croissance démographique ici au Mali avec la floraison des maladies. Dans ce sens, il est très important aussi de former les jeunes, non seulement par rapport à cette question d'hygiène, mais aussi leur instaurer l'idée de développement d'hygiène pour mieux booster le secteur de l'élevage, aussi faciliter la création de nouveaux emplois.